Dans le cadre du plaidoyer en appui au gouvernement en vue de sortir la population de la pauvreté, le premier vice-président du Sénat a échangé avec le représentant AI de la BAD, Sami Badibanga, et son interlocuteur ont discuté sur cette question de financement de certains projets socio-économiques en République démocratique du Congo pour le bien-être de la population. Vous savez, la Banque africaine de développement est une institution qui finance donc le développement. Il y a des projets très importants que le premier vice-président nous a exposés. Des projets qui touchent essentiellement trois secteurs, ce qui est sécuritaire, ce qui touche aux réformes et puis ensuite au développement avec des infrastructures. Donc il voulait voir comment est-ce que la banque peut appuyer ce programme-là avec les autres partenaires. Et nous avons donné notre accord de principe puisque nous sommes là et ça rentre dans le cadre de nos interventions. Donc nous allons continuer les discussions avec Son Excellence pour voir exactement quel volet est-ce que la banque pourra prendre en temps venu. Alors là, Son Excellence nous a présenté globalement un projet qui va aller sur plusieurs années, c'est du long terme, et qui va toucher à peu près 40 à 50 milliards de dollars. Donc avec tous les partenaires, il faudrait donc qu'on se mette dans ce programme-là pour voir quelle part peut revenir à chacun des partenaires. Cela reste encore à déterminer, mais ce que nous avons dit à Son Excellence, c'est que nous sommes partants pour ce type d'exercice.